Bonjour à tous et à toutes, c'est Liquid Osot 666 pour une nouvelle vidéo. Comment on va dire, une vidéo un peu spéciale étant donné que c'est la deuxième fois que je vois le trailer du prochain MGS et j'ai envie en fait de vous donner mes impressions à chaud et mes déductions sur le trailer, donc je l'ai vu qu'une seule fois. Là c'est la deuxième fois, vraiment ce matin je me suis levé, j'ai vu le trailer sur jeuxvideo.com, je me suis empressé de le voir. Donc déjà là vous pouvez voir que c'est assez beau, enfin moi là j'ai la version HD devant mes yeux donc c'est même sublime. Il faut savoir que connaissant Kojima c'est sûrement les images du jeu, enfin vraiment ce qu'on aura dans le jeu, les cinématiques sont faites à partir du moteur. Mais ça doit être, comme le jeu sortira sur PC, à mon avis c'est la version PC quoi, c'est un peu comme Battlefield 3 où on avait des images magnifiques, mais c'était la version PC, sur la version PS3 on aura des graphismes beaucoup moins bien. Donc que dire ce trailer, pour le moment, je vais pas faire d'arrêt sur image, etc. Ça va vraiment être, la vidéo durera le temps du trailer et peut-être à la fin un petit débriefing, mais bon. Donc là on peut voir que c'est une base militaire, on peut pas en dire beaucoup plus hein, pour le moment là du trailer. Le début c'est un peu compliqué, enfin il n'y a pas grand chose à dire du début quoi, sauf que donc on a des soldats qui rentrent dans cette base qui ont donc des laissez-passer. Donc on braque un des prisonniers. Donc c'est en japonais sous-titré anglais, ce qui est dommage parce que le personnage qui parle, je ne sais pas si on le connaît ou pas, étant donné qu'on ne voit pas son visage. Et si ça aurait été la VO, j'aurais pu reconnaître la voix et donc savoir quel personnage. Mais ce n'est pas le cas. Donc, je vais faire un peu les traductions. Donc, il dit qu'elle a pas souffert et qu'il a mérité ce Walkman. Donc, on peut voir ses écouteurs sont enfoncés dans sa peau. Donc, un personnage qui a la peau brûlée totalement. Comment ça fait de jouer le traître? Plus de jeu de guerre, tu es un vrai homme maintenant, soldat. Donc bon, il semblerait que ce soit Chico, un personnage de Peace Walker. Donc il semblerait que le jeu se passe après Peace Walker et sûrement avant le premier Metal Gear, non pas Metal Gear Solid. Donne my regards, je sais pas, mon respect à ton boss. J'ai pas vu l'autre phrase, je regarde d'ailleurs. Donc là on va avoir le droit à la Here's to You, donc c'est la musique de fin de MGS4. Mais à une version accélérée qui est vraiment cool. Je disais, ça semble se passer avant le premier Metal Gear qui doit se passer dans les années 90, peut-être avant, enfin les premiers Metal Gear sur MSX, hein, vraiment des vieux jeux. Qui se passe donc dans les années 90, et Peace Walker se passe, ah j'ai oublié, je crois en 76, un truc comme ça. Et vu l'âge de Chico, ça va se passer au début des années 80. Donc il y a quelques éléments qui vont beaucoup, enfin énormément me perturber en fait. Sur la chronologie du jeu en fait. Mais vraiment beaucoup beaucoup me perturber. Donc ça sera vraiment plus tard, là on est déjà à 3 minutes 40. Donc 10 jours plus tard on a reçu un rapport comme quoi Paz était vivante, elle a survécu. Elle a été Belizean, je sais pas ce que c'est, par un pêcheur. Quel est le plan? On la tue avant qu'elle soit compromise. Enfin, avant qu'elle nous compromise. Donc Paz serait un double agent, donc ça a l'air d'être une base américaine. Bon, je vais pas tout traduire parce que sinon j'ai pas le temps de parler. Donc Paz, c'est un personnage de Peace Walker. La Mother Base, c'est notre base dans Peace Walker, donc vraiment ça a l'air d'être après Peace Walker. Donc d'ailleurs la voix là, c'est celle de Kaz Miller, le mentor de Solid Snake et le meilleur ami de Big Boss. Un peu le... Donc là on peut voir que... Ah non, ça en fait c'est... Les hélicoptères sont de Xoph. Enfin Fox à l'envers quoi, comme on peut le voir là sur le miroir. Donc avec l'effet miroir forcément ça fait Fox. Donc soit c'est des gens qui veulent Urzur. La musique est géniale.
Donc cet homme, je sais pas du tout qui c'est. Hein. Avec son chapeau. Donc soit c'est des gens qui veulent usurper Fox, donc Fox c'est l'unité de Big Boss. D'ailleurs la preuve c'est qu'il efface... Voilà, alors c'est ça qui commence à me perturber, c'est les technologies qu'ils utilisent. Vraiment, c'est pas du tout des technologies... Autant, bon d'accord, à chaque fois dans les MGS, on avait un peu des technologies qui étaient, on va dire, 10 ans en avance sur le temps du jeu. Mais même là, dans les... disons que ça se passe en 80, même là dans les années 2010, on n'a pas des technologies pareilles. Alors que par exemple dans les premiers MGS, on avait, c'est vrai que 2-3 technologies qui étaient un peu futuristes, mais pas à ce point-là. Quoique dans le premier MGS, il y avait des gens qui pouvaient se rendre invisibles. Bon, on a des prototypes en ce moment qui aident à apparaître invisibles totalement, mais à moins se voir dans le décor avec des systèmes de caméra, mais c'est compliqué. Alors que là, c'était vraiment efficace. Et donc eux, ils ont des brassards de l'unité Xoph. Et on a aucune... Enfin, moi, j'ai aucune idée de ce que c'est Xoph. Parce que c'est pas Fox. Mais bon, si tu veux usurper une unité, tu... t'écris correctement, quoi. Sinon, c'est pas... Et aussi, le truc qui perturbe, c'est qu'ils vont tout faire pour... Enfin, ils vont enlever leur... comment ? Leur truc... comme quoi, c'est... Enfin, ils vont enlever tout leur... Voilà. Leur bras... Enfin, ça s'appelle comment ça ? Leurs écussons. Donc, ça c'est... En gros, on va devoir les protéger Chico et Paz et les ramener... voilà, Xoph. Et les ramener au... à la Mother Base, quoi. Donc, cette base, on le saura un peu plus tard, mais ça semble être Guantanamo, étant donné que c'est au Cuba. C'est à Cuba et c'est une base américaine, donc il y a de fortes chances que ce soit Guantanamo. Mais Guantanamo, je sais plus en quelle année ça a été créé, mais il faudrait que je regarde. De Fox. Ah, d'accord, je viens de comprendre. C'est un autre gars de Fox. Voilà. La frontière cubaine. Donc ça, c'est Big Boss. Hein. C'est exactement le même équipement qu'on a dans... au début de Peace Walker. Si on veut pas changer de tenue, on a une tenue qui ressemble beaucoup à celle-ci. Et là, vous avez, franchement, regardez les graphismes. Moi, enfin là, je suis en HD, donc c'est sublime, quoi. Et vous allez voir, à un moment, il va se passer un truc. Là, tu te dis, putain. Franchement, si c'est pas du, c'est forcément du PC vu les graphismes. Mais parce que là, ça, si c'est vraiment des qualités console, ce qui m'étonne fortement, ça explose tout ce qui existe en ce moment, quoi. Déjà que MGS4 n'a pas mal vieilli, alors donc là, Big Boss qui a bien vieilli. Avec un petit une petite dose d'humour très japonaise. Donc bon, là franchement, je... Et là vous allez voir, je sais plus si c'est maintenant. Non, c'est un peu plus tard. Donc Metal Gear Solid Ground Zero, donc Ground Zero, j'arrive pas à dire, bon, Metal Gear, on va le faire à la française, Metal Gear Solid Ground Zero, Zero même. Et voilà, c'est ça. Vraiment, ça, ça m'a beaucoup perturbé, quoi, parce que c'est vraiment le genre de truc qu'on pourrait même avoir, même dans MGS4, on n'a pas de truc pareil, quoi. Donc ça, c'est le truc qui m'a le plus perturbé au niveau du temps. Là voilà, là on a le contrôle. Enfin, on a le contrôle. Là, c'est les graphismes du jeu, quoi, quand qu'on joue. Et c'est ça qui m'a le plus perturbé. Vous allez voir d'ailleurs que les mouvements sont très. Les animations s'enchaînent superbement bien. Donc là, le truc est bientôt fini. Parce que il va plus se passer grand chose dans le trailer. Donc une lunette, enfin c'est une jumelle, mais voilà, en fait il y a pas mal de trucs qui ont perturbé par rapport, donc c'est forcément Big Boss, hein, ça peut pas être Solid Snake. Ou sinon, le problème qui m'a perturbé déjà, c'est que Kaz l'appelle Snake, alors que je crois que dans Peace Walker il l'appelle Big Boss.
Donc pourquoi Snake? Sachant que tout le monde l'appelle Big Boss maintenant, donc là c'est la fin du trailer. Donc voilà pourquoi Snake, alors tout le monde l'appelle Big Boss, et les technologies. Bon, ça peut pas être Solid Snake, et ça serait un espoir que ce soit Solid Snake, sauf qu'en plus c'est même pas le même physique. C'est vraiment le physique de Big Boss, donc ça c'est sûr, mais beaucoup de choses me perturbent au niveau du temps en fait. Donc je sais pas quand ça se passe, ça se trouve ça se passe après les Metal Gear 1 et 2. Ben, ça m'énerve parce qu'à la fin de Metal Gear 2 en fait, ben Solid Snake il tue Big Boss et on le retrouve après Big Boss à la fin, enfin on le retrouve dans MGS4 sous sa forme de cadavre. J'ai évité de spoiler mon walkthrough parce que j'ai pas encore fini de tout envoyer et j'ai pas encore tourné la fin, mais voilà, on retrouve donc Big Boss sous forme de cadavre dans MGS4. Donc bon, désolé, j'ai pas été super précis et tout, donc pour les gens qui voulaient avoir un peu plus d'infos sur le trailer grâce à cette vidéo, je suis vraiment désolé, mais c'est pas le cas, c'était juste mes impressions à chaud du trailer. Vraiment, j'attends énormément ce jeu, comme tous les MGS, hein. J'en ferai un walkthrough, c'était pas prévu, parce que j'ai appris que le jeu sortait hier, donc, enfin, que le jeu existait, je l'ai appris vendredi ou hier, on est dimanche, enfin de toute façon, je renverrai cette vidéo aujourd'hui. Et ça m'a tellement surpris, et là le trailer ce matin, je fais faut que je leur fasse une vidéo et tout, donc voilà, j'en ferai le walk through vraiment dès sa sortie, hein, je pense l'acheter en premier jour et tout, quoi que je fasse ce jour-là, franchement je l'attendrai énormément, j'espère qu'il va faire avancer un peu l'histoire des MGS et que ça va pas être juste un peu comme Peace Walker qui nous a appris quelque chose, mais pas tellement, donc ou à moins que là, il va recréer une histoire avec Big Boss. Ça peut être faisable, mais en tout cas j'attends le jeu énormément. Je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour les gens qui me connaissaient pas, n'hésitez pas à vous abonner, parce que je fais pas mal de vidéos sur d'autres jeux. Je suis pas quelqu'un qui se limite à un seul truc, et voilà. Salut!